Et bien salut à toutes et à tous, c'est Romain Gon, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Monster Legend. Dans cette vidéo, je vais aller faire des combats en multijoueur, c'est parti. Ok, bon alors, en ce moment, je suis en train de farmer masse monstres légendaires. Les monstres mythiques, j'en ai pas trop, faudrait que vraiment je tryhard les events pour tenter d'avoir un monstre mythique. Mais là, ce qu'il montre, enfin, ce qu'il y a souvent, c'est des donjons, enfin des labyrinthes pour les anciens monstres. Donc je l'ai fait pour récupérer des cellules sur les tout premiers monstres. Et du coup, il meurt. Voilà. Donc, à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, on est en tournoi cosmique numéro 14. Et du coup, voilà. Hein. J'essaie de participer à peu près à tous les events. Pour essayer de récupérer un maximum d'œufs pour pouvoir avoir les monstres qu'on gagne lors des combats multijoueurs. Alors, nouveau combat, on a un tank et deux soutiens. Ça m'a l'air d'être un combat plutôt ardu. Ouais, voilà, c'est ça que j'aime pas. Le saignement et machin. Donc, lui, il a probable. De toute façon, là, les deux autres, ils sont de type ténèbres, donc c'était très dur de leur faire des dégâts. Donc voilà, donc le tank meurt et je tue quasiment les deux. Ouais, l'autre il a plus qu'un HP. Normalement avec mon as je peux le tuer. Non. Mais il va mourir juste après normalement. Voilà. Ok, nouveau combat. Il a mis leur pseudonyme avec leur niveau. Pourquoi pas. Ah oui, c'est vrai qu'il a proc. Je voulais attaquer le mec en haut. J'avais oublié qu'il avait pas. Ah, mais je fais mal quand même, hein. Bon, là, normalement, c'est du one shot. Voilà, nice. Ok, nouveau combat. Ils ont à peu près de toutes les runes. Vitesse, force et endurance. Il y en a deux, je connais. Lui au milieu, je ne connais pas trop. Quoi, c'est soit un type plan. Ouais, je pense que c'est un type plan. Ouais, voilà. Soit un type plan, soit un type proche. Et du coup. Ah, ouais, il fait. Pas mal de dégâts. C'est quoi, c'est les autres qui l'aident ça? Ouais, je sais pas trop. En tout cas, il a l'air de faire pas mal de dégâts. Et je vais tuer lui. De près, il y a l'autre qui meurt. Peut-être du focus. Et hop, voilà, c'est nice. Ok, alors, nouveau combat. Ça va être un peu difficile. Ah oui, ils sont au niveau quand même. Bon, ça va, ils sont topés. Sont très haut niveau. Quoi? Comment ça j'ai pas pu attaquer là? Attends, mais je viens vraiment de lui faire zéro dégâts là? On en parle du zéro dégâts que je viens de lui faire là? D'accord. Bon, j'en tue deux là sur ce coup, ça c'est plutôt assez bien. Il reste au niveau 140. Voilà, et en plus il compte plus, ça c'est good. Du coup, je vais faire ça, comme ça il devient confirmé au niveau, j'ai plus de mana, donc faut que je le tue avec lui. Voilà, nice. Ok, alors je suis dégoûté, je viens de gagner un coffre niveau 6, sauf c'est que comme mes emplacements sont pleins, j'ai pas pu le prendre. Du coup, j'ai dû le jeter, voilà, c'est cool. Dommage qu'on puisse pas faire du stock en plus, mais après, ouais, c'est vrai que ce serait un peu trop fort. Donc pas mon as à focus, donc je vais dire lui, parce que je sais pas, faut que je focus quelqu'un. Une mana. Hop. Que mon as il a l'étourdissement, du coup c'est pour ça que je focus pas. Moi je l'aurais focus, lui il attaque, donc hop, je tue. Ça sert à rien d'attaquer autant chargé, et je tue les deux. Voilà. Alors là je vais focus, je vais pas focus celui en bas, soit celui au milieu, soit celui en haut. En fait, si celui au milieu il a pas de provoque, je vais essayer de focus celui en haut, ce qui m'empêche d'attaquer avec une certaine attaque. Ouais, bon là il a provocation, donc je suis obligé de l'attaquer. Et sinon, je peux faire attaquer celui en haut. Ah, ouais. En vrai, là, il y a moyen que je one-shot les deux sur les côtés. Si je peux attaquer, merci. Ah non, il se prend tout. Ah, rip. Du coup, voilà, il meurt pas. C'est dommage. C'est dommage. Du coup, je vais aller focus lui. Ok, c'est bon, il est mort. Du coup, lui, j'ai plus de mana. Je vais attendre. Voilà, c'est bon, je peux le tuer. Nice. Ok, alors, oula, c'est un combat gratuit ça. Merci de votre participation. Ok,
toujours falloir s'attendre à affronter des adversaires puissants. Là, ouais. J'attaque pas en premier, du coup, bah, rip. C'est celui que je voulais faire plus. Ah non, c'est bon, il a pas mis provoque. Il fait combien? 11 000? Ouais. Lui, il m'enlève tout mon mana, donc forcément, je le focus. Non, bon, bah, j'ai plus de mana. Du coup, tristesse. Aïe. D'accord. Bah, voilà. Nice. Ok, bon, alors. Nouveau combat. Et hop, vu comme ça, je prends pas d'attaque. Total. Et normalement, là, j'aurais les tuer. Voilà, nice, c'est bon. Alors. En fait, ce qu'il faudrait, c'est que on menace, soit je monte de niveau, soit je monte ses runes de vitesse. Et aïe, on fait mal. Mais jamais ils sont étourdis, eux. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà, c'est ça. Ah. Bon, si c'est maintenant que je suis en moi. Au moins je fais ça. Au moins je fais ça. Ça il prend du dégât. Aïe. Ouh là là. J'ai pris time, mais j'ai gagné. Ouf. Alors, nouveau combat. Ils me font mal. Perdu là. Vous comprenez? J'ai pris si cher. Voilà, je perds un monstre. Je vais faire ça pour éviter de mourir. Voilà. Ok, bon. Alors. Ah, voilà. C'est ce monstre-là qu'on peut gagner actuellement. C'est bizarre, hein. Une boule avec des pics. Ouais. Pas trop ce que c'est. Chuckless, il s'appelle. Ok. Il y a des items de soins. Yes, j'ai un compte à rebours. Avant de mourir. Bon, on verra passer l'attaque. Mais du coup, voilà. Et je vais le tuer bientôt. Voilà. Et ben voilà, c'était tout pour cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like, un commentaire. Moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.